Hassan Bemansou, je suis DRH de Startup Village et de Medianet. Donc mon message de l'Youm pour les femmes qui sont ambitieuses, qui ont des idées ou des projets, c'est que toute idée n'est pas ridicule, tout projet peut être développé, donc il suffit juste de sauter sur les opportunités qui se présentent à elle. L'Youm, la femme, elle a l'avantage d'être précise, d'être minutieuse, d'être patiente, et ça c'est un avantage justement pour développer les idées et pour travailler avec les autres. Il faut saisir les opportunités de contact, d'entourage pour profiter justement de la bête qui peuvent partager avec nous leur savoir-faire dans différents secteurs, dans différents métiers. Donc il faut être à l'écoute pour développer les idées. Il faut être dans le partage et saisir les opportunités qui se présentent à elles. Et l'axe, elles ne doivent rien craindre pour relever donc, les défis. Il faudrait aussi qu'elles sachent, l'Youm, c'est très important de cultiver les relations. Les relations, l'Youm, l'Youm, c'est des relations positives avec les autres pour chercher des mentors, l'Youm, qui vont les guider à avoir des idées inspirantes ou l'école sur tout leur parcours. Enfin, ce que je rajouterais, c'est l'Youm, on va parler du leadership. Alors, l'Youm, le leadership, il ne se limite pas juste à un titre ou à une position, mais Blax, l'Youm, qui fait la façon terne d'influencer et d'inspirer les autres grâce aux actions liées à l'Youm, on doit justement donner l'exemple. Donc, le message à l'Youm pour les femmes, c'est d'être patiente et de croire en leurs idées pour pouvoir les développer. Et on va y arriver.